Voici, je nageais sans payer. Monsieur le super-maître, tu travailles beaucoup. Monsieur le président, regardez ce que la Poste centrale est devenue. Chaque jour que Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mesdames et messieurs, souvenez-vous du monsieur là, vous vous rappelez un jour, il y avait inondation à l'avenue Kennedy ici à Yaoundé. Il y avait l'eau. Il nageait, il plongeait dedans, il disait piscine gratuite. Qu'il a trouvé sa piscine gratuite. Maintenant, nous nageons. Bonjour. Alors, il fait une vidéo dans laquelle il dit que oh, il est en train de voir la mort, la nuit, les fantômes, le chasse, les sirènes, les quoi, les mamies Ouattara, l'appel et tout, que oh, si entre-temps, s'il n'est plus. Car il a dit tellement de trucs que moi-même, ça me fait peur. Et comme c'est un gars qui a la conquête de buzz et tout, il fait tout pour le buzz. J'espère que ce n'est pas le buzz qu'il est en train de faire. En fait, nous allons écouter ses dires. Si c'est le buzz, ah, c'est ton problème, mon frère. Si c'est la réalité, franchement, je vous prie aussi de l'aider puisqu'il nous demande l'aide. Écoutons attentivement ce que ce monsieur est en train de nous dire. Ouais, venez. Salut la famille, c'est toujours Colonel Frontal, mais si je suis devant vous ce matin, c'est pas pour faire des vidéos comme d'habitude, c'est pour vous dire que je souffre. Depuis que j'ai nagé dans l'eau à l'avenue Kennedy. Je ne viens plus à dormir. Quand je dors, je fais des rêves où je me trouve en train de nager dans le sang. Je vois les têtes des gens. Les esprits viennent me menacer. Ils disent qu'ils sont les esprits de l'eau. Est-ce que j'ai mal fait de dénoncer que quand il pleut, il y a inondation à la vue de Kennedy? S'il vous plaît, aidez-moi. Sauvez-moi. Ne me laissez pas mourir. J'ai fait ça pour nous. Pour la jeunesse. Général Valsero. Ne m'abandonne pas. Aïcha Kamoas. Ne me laisse pas. William Senou. Je suis à genoux devant vous. Tous les artistes. Malox. Je souffre. Ils m'ont averti que d'un moment à l'autre, mon corps sera paralysé. C'est ce qu'ils me disent dans les rêves, qu'ils vont me nuire, que je les ai nuits. Mais je sais que j'ai fait ça avec un seul cœur. J'ai fait ça pour le positif et non pour le négatif. Le Cameroun ne m'abandonnait pas. Je souffre. Et s'il arrive que je ne suis plus là, sachez que Colonel Frontal était un soldat. Pause publicitaire. Bienvenue à Afrique Nature. Comme vous le savez bien, je communique uniquement pour les entreprises reconnues par le gouvernement camerounais. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril. Au lit, urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ce numéro pour avoir plus d'informations. Ok. Massa Yacob, dans une seconde vidéo, dit que je lui ai clashé. Oh, que j'ai dit qu'il avait la barbe blanche ou c'est quoi. Que je me rase qu'avec les rasoirs big, je fuis la vieillesse. Mon frère, moi je prie Dieu pour atteindre ton âge là, pour avoir aussi la barbe blanche. Mon frère, c'est une grâce. Ce n'est pas le clash que je faisais. J'analysais juste tes vidéos, papa, pardon.
Vous voyez tout sur Facebook, justement, comme les clashs, comment. Ah ah. En tout cas, écoutez-le. Je ne savais pas qu'il y avait les blogueurs qui regardaient mes vidéos, qui étaient même abonnés sur ma page. Je ne savais pas. Il y a un gars là qui a pris ma vidéo, il l'a mis sur sa page jusqu'à dire que Massa Yacob, le comédien qui a la barbe blanche là. Mon frère, si toi les rasoirs Big Ton a gratté le menton, tu fuis la vieillesse, sache que ça va venir, t'inquiète. Utilisez tous les rasoirs Big. Voilà, moi je suis pas dans vos histoires de clash que vous faites avec vos histoires que vous faites sur Facebook, fais pas ça. Moi, quand tu veux dire quelque chose sur moi, prends la peine de te renseigner. Parce que si c'est faux, ce que tu dis, je ne gère pas dans les réseaux sociaux. J'ai une manière brute de gérer mes retours. Très brute même. Je ne suis pas venu. Je ne viens pas m'asseoir sur des trucs pour clasher les gens. Non, non, non. Je ne donne pas l'occasion. Donc, utilise ma vidéo. Écris même bien Massa Yacob. Massa Yacob, c'est M-A-2-S-A-Y-A-K-O-P. Et non Jacob, comme tu as écrit Y-A-C-O-B, là. C-O-B, non. Voilà. Tonton, pardon, moi, je ne te clash pas. Je ne clash pas les gens. Je ne clash plus les gens. Pardon, j'analysais juste tes vidéos. Je ne cherche pas les problèmes. La paix est bien. Écoutez un autre jeune Camerounais qui souffre. Bonjour encore pour une deuxième fois. S'il vous plaît, Franco le Mignon. Bon, on m'a coupé là, tout à l'heure, là. Je voulais vous faire un verse, là. Bon, s'il vous plaît, vous allez encore m'excuser une fois de plus. Bon, je suis un agent de sécurité. Je suis de GFOS. Bon, si j'ai pris votre contact, c'est pour demander une aide, pour que vous puissiez nous aider. Vous savez, depuis mars, le président, il y a eu un décret présidentiel auquel le président, on a augmenté le SMIT. Il sait que vous êtes au courant qu'on a augmenté le SMIT. Bon, maintenant, alors, le problème qui se pose, c'est que sur le terrain, on ne veut pas, les sociétés de gardiens ne veulent pas augmenter le SMIT. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas faire ce que le gouvernement leur demande de faire. Donc, ce qui fait que nous, on est là, on ne sait pas comment on peut faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de te joindre pour que tu puisses vraiment faire un direct par rapport à ça. Moi, je suis de la société GFOS. Donc, il y a beaucoup de nos collègues qui sont en train de se plaindre par rapport à ça. Bon, on ne sait pas, vous savez comment le pays est très corrompu. Et nos responsables là, nos patrons là, peuvent aller même à Yaoundé, aller corrompre ses ministres. Alors que c'est un décret présidentiel qui dit que tous ces sociétés de Ghana doivent augmenter le salaire. Doivent augmenter le salaire. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Sur les papiers, c'est augmenté. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle je t'ai souffri, mon frère, pour que tu puisses vraiment nous aider. Tu fais même un direct par rapport à ça. Tu fais un direct. Donc nous sommes nombreux. Je viens tout juste... je porte tous mes collègues. Je porte tous mes collègues. Je viens pour leur nom, pour que vraiment tu puisses nous aider. Donc je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en supplie beaucoup. Si tu peux nous faire un direct. Moi, je suis de la société JFOS, société de gardiennage, dont la direction est au niveau de Bonapriso. Donc, c'est JFOS. Je ne sais pas si vraiment vous pouvez nous aider. Vous faites un direct. Parce qu'on devait déjà augmenter les SMIT étaient à 36 000. Maintenant, c'est monté à 40 000. Et normalement, nous, dans le gardiennage, on doit nous payer 60 000. Dans le niveau de gardiennage, notre salaire de base, ça doit être 60 000 francs. Mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à augmenter. Donc, je voudrais vraiment que si vous pouvez faire un direct là, comme ça, ça va attirer l'attention des gens pour qu'on puisse vraiment augmenter notre salaire. Bon, merci, bonne journée. Je suis à haute attente. Posté comme reçu. J'espère que vos chefs ont compris. Merci de partager la vidéo, les amis. Partagez les vidéos pour que d'autres personnes découvrent la vidéo. Vous savez, la page est restreinte. Vous connaissez déjà, non? Merci de partager la vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur la page ou sur la chaîne, mon frère, abonne-toi tout simplement, non? C'est la famille. Je vous aime. Bisous. Ciao!
Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.